Et la première part est pour... Cara. Oh, merci Madame Toriel. Tu sais, tu peux l'appeler maman, elle adorerait ça. Azriel. Azriel, nous ne voulons pas obliger Cara à quoi que ce soit. Madame Toriel et Monsieur Asgore, ça ira très bien. Ah, je suis vraiment... Pas besoin de t'excuser, chérie. Ne t'inquiète pas pour ça, ce n'est pas grave, fiston. Vous voulez que je vous appelle maman et papa? Eh bien, mon enfant, nous en avons parlé une ou deux fois. Et nous adorons t'avoir ici. Mais ne t'inquiète pas, ne fais pas quelque chose que tu ne veux pas. Vous ne voulez pas de moi dans votre famille. Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis une mauvaise personne. Parce que quand je commence à m'attacher à des gens, ils se blessent. Je ne peux pas vous blesser aussi. Cara, il y a beaucoup de choses dans l'underground qui rendent la vie difficile. Mais tu n'en fais pas partie. Merci, papa, maman, Azriel. Toi. Sans. Désolé, Paps. Je ne voulais juste pas t'impliquer là-dedans. Ce gars ici... C'est bizarre et compliqué, mais... Ouais, c'est aussi moi. Il se fait appeler Geno. Cependant... Si tu veux savoir ce qui se passe quand je m'isole... Eh bien, je suppose que c'est le meilleur exemple auquel je puisse penser. Tu sais, parce qu'il est moi. Sans, tu penses que c'est une blague? Nope, pas du tout. Alors arrête! Arrête de faire comme si c'en était une! Je ne fais pas du tout ça. Les choses sont un peu trop tendues, par contre. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je veux dire... Pourquoi est-il ici? C'est pas... C'est toi qui nous as téléportés ici, après tout. Nyeh! Vous deux! Arrêtez de vous battre! Sans, arrête de te battre avec... Toi-même? K-Pops. Qu'est-ce qui se passe? Et toi? Toi? Est-ce que tu vas bien? Ouais. Hein? Je vais bien. Gamine, si tu veux sortir d'ici, alors ne me lâche pas. Sans! Hey, arrête! Tu veux vraiment finir par leur faire du mal? Hey, viens par ici, ça ne marchera pas. Papi? Tu sais ce qui se passe ici? Oh, oui, je sais. D'accord. Si ça ne va pas arrêter quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il le peut? Fais-moi sortir d'ici, je pourrais te plaindre. Et nous arrêterons ça ensemble. Sans! Pourquoi est-ce que tu protèges cette gamine meurtrière? Parce que ça se termine, maintenant.
Je ne te laisserai pas nous faire ça plus longtemps. Mais je dois admettre que je suis déçu de moi-même. Je n'aurais jamais pensé, dans aucune réalité, que je serais en train de me battre devant Pabst comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu l'as emmené ici. C'est de ta faute. C'est de notre faute, Geno. Mais il doit être ici. Nous avons toujours fait trop peu, trop tard. Nous avons gardé nos secrets. Nous n'avons jamais pris la peine de le dire aux autres. Sur les risettes, sur les innombrables vies que nous avons vécues. Je ne peux imaginer combien de secrets accumulés, dans combien de timelines nous avons joué à ce jeu. Les mensonges que nous avons dit à Papyrus pour le protéger. Ce que nous avons caché à nos amis. C'est la vérité, Geno. Nous n'avons jamais été assez bons pour jouer au héros. N'importe qui d'autre que nous connaissons sera un meilleur choix. Undyne. Elle est l'une des plus courageuses parmi nous. Mais Undyne, elle n'a jamais pu voir à travers notre crâne épais. Il n'y a qu'un seul sac d'os dans tout l'Underground qui peut le faire.